tourne d'abord vers Marcella Yacoub, qui se fait trop rare. C'est de ma faute, hein, je devrais vous appeler plus souvent, chère Marcella. Mais à chaque fois, votre voix est tellement plaisante à réentendre. Les auditeurs se plaignent, disent « mais on n'entend plus Marcella, on n'entend plus Marcella ». Ah oui, c'est vrai. Dans la rue aussi, c'est vrai, les gens vous le disent. Tout le temps. C'est vrai. Je ne peux même pas sortir, que les gens m'exigent d'aller chuchoter quelque chose. J'ai fait des messageries vocales. J'ai beaucoup de choses. Là, j'écris un livre sur Denis Baupin. Mais... Vous faites les massages aussi? Mais... Non, ça, je ne sais pas très drôle. Pas mal. Elle ne fait pas le massage, elle fait la finition. Ouais. Elle sort d'un coup derrière le rideau. Hop là. C'est pas parce qu'on a une voix de pute qu'on est une pute. Non, non mais elle masse très bien les oreilles. Ah, il n'a pas du tout la voix d'une péripatétique. Ah, mais tu sais pas la voix d'une pute. Enfin, les putes ne parlent pas comme ça. C'est quelque chose de sexy. Non. Viens dans mon quartier. Dans son quartier, Christine, elle parle comme Christine. Exactement. Et elles ont des clients quand même. Bah ouais, elles sont géniales. C'est des goulues. C'est pas du tout des Marcella, tu vois. Non, mais Marcella n'est pas une. C'est une courtisane. Donc elle parle doucement. Oui, c'est une princesse. Ouais. Mais c'est quoi une courtisane? Courtisane, c'est quelqu'un qui vit du fait d'être courtisé. Voilà. Ça, absolument. Qui touche un petit peu de. Mais parfois, il y a des qui vit du fait d'être courtisé, qui oui, touche. C'est-à-dire que ce qui se prostitue. Non. Ah ben si, les courtisanes se prostituent. Mais oui, vivre d'eux. Oui. Ça veut dire se prostituer, ce que tu mets. Oui. Non, mais c'est pas une prostituée. Si elle propose pas, on lui demande, c'est pas pareil. Bon, d'accord, je veux pas. On va pas se fâcher pour une histoire de pute. la seule chose qu'elle dit, c'est tout. La phrase la plus longue, c'est oh, quelle merveille de passer un moment avec toi. Et une fois que t'es monté, dis non, on va pas passer le samedi là-dessus.